Ambiance électrique au Sénat américain. Des membres du public ont interrompu l'audience de confirmation du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Le candidat de Donald Trump pourrait faire pencher la balance de l'institution dans le camp conservateur en cas de nomination, autrement dit donner l'avantage aux républicains sur des questions cruciales comme le droit à l'avortement, le système de santé ou la législation sur les armes à feu. Le juge Kavanaugh est un de nos juges les plus éminents. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait faire taire cette femme. On ne devrait pas avoir à supporter ce genre de choses. J'espère que ce n'est pas une étudiante en droit. Les démocrates minoritaires au Sénat ont demandé en vain le report de l'audience pour manque d'informations et de transparence. Brett Kavanaugh est loin de faire l'unanimité. Des manifestantes ont défilé dans le hall du Sénat habillées en servante écarlate, l'héroïne de Margaret Atwood. Une manière de dénoncer ses positions anti-avortement et le poids de la religion en politique.